Hi everyone and welcome to my YouTube channel. If you don't know me, I'm Ajime from Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a un invité surprise, le soleil. Du coup je suis vraiment très heureuse. Je ne sais pas comment ça va rendre parce que si le soleil part pendant que je suis en train de tourner la vidéo, ça va être catastrophique. Vous ne connaissez pas, moi je suis Ajime de la chaîne It's May. Donc je vous invite à aller visiter ma chaîne YouTube si vous avez l'air d'aimer ma personnalité et mon univers. Maintenant passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui j'avais envie d'acheter my wardrobe wishlist. This video is in collaboration with Multicolor Lab. They sent me colored lenses that I chose myself, unspoken gray, HID graphite hell, unspoken brown and sacral violet. In the package I found a beautiful lenses container, purple stickers, a silver eyeshadow, and a lenses box. I found them easy to put and I really love the result. I wear the unspoken gray in the video and I think it's going to be my signature lenses. This is how it looks when I'm not facing the sun. Of course you have 20% off your order if you use my code MAY and all affiliate links is in the description below. Thank you Multicolor Lab. Now let's get into the video. En fait, j'ai décidé pas vraiment de changer totalement d'esthétique, mais je suis vraiment dans un délire en ce moment où je suis un peu très attirée par l'esthétique coquette. L'esthétique coquette, c'est un peu une esthétique très féminine, très fille en fait, avec pas mal de roses, de couleurs pastel, de blanc, tout ça. Et c'est vraiment, on va dire, un nouveau look que j'aimerais plus incorporer dans mon style, parce que moi de base j'ai un style très soft girl, très coloré, très girly. Je me suis dit purée, j'aimerais bien là pour automne hiver avoir un look un petit peu plus coquette, peut-être un peu plus soft au niveau des couleurs et tout ça, mais en même temps j'aime énormément tout ce qui est K-fashion et G-fashion, c'est-à-dire la mode coréenne et japonaise. Et je suis très attirée par tout ce qui est kawaii. Donc en fait, j'aimerais bien faire un mix entre mon esthétique, de l'esthétique coquette et l'esthétique kawaii. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pratiquement les mêmes esthétiques, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu des esthétiques très proches. Je me suis dit, mais en fait, essaye de faire ce que toi t'as envie et de faire un mix des deux. Et je me suis dit, ce serait cool de partager ça avec vous, par exemple, si vous êtes attirée par cette esthétique. Comme ça, voilà, quand on fait les courses ensemble, on peut se donner des idées et tout. Pour commencer, dans un premier temps, tout ce qui est en rapport avec les vêtements. Alors, pour les vêtements, je me suis dit, je vais essayer d'acheter une partie en friperie, une partie en ligne et une partie, je vais essayer de les faire moi-même parce que je voudrais beaucoup me mettre au crochet. Ça va faire depuis la pandémie, je dis que je vais faire du crochet et MDR, en 2022, j'ai toujours rien fait. Du coup, c'est mon objectif de cette année 2022-2023, on va dire. Et bien évidemment, je ferai une vidéo où je partagerai un peu mes créations, les trucs que j'ai fait. Et donc, n'hésitez pas à me suivre parce que du coup, je posterai des vidéos comme ça. Ensuite, pour tout ce qui est friperie, je vais aussi faire une vidéo où je chine. D'ailleurs, j'ai acheté un sac exprès pour ça à Primark pour chiner et pour acheter en friperie. Ça, je suis sérieuse pour les vêtements. Alors, de ce que j'ai remarqué au niveau des tenues, pour tout ce qui est coquette, c'est beaucoup de fleurs, de petits nœuds, de motifs floraux, de couleurs blanc ou rose. Mais très rose clair, très rose pastel et tout, pas mal de couleurs pastel. Du coup, je vais vous emmener avec moi et vous montrer la shopping list que je compte acheter.
Au niveau des accessoires, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal des nœuds, tout ce qui est ruban. Ça peut aussi ressembler un peu au style un peu chic old money. Du coup, ça aussi, je vais acheter. Et pour les accessoires, par contre, je vais plus me focaliser sur... je vais pas mal acheter sur Shein ou AliExpress. Parce que c'est là-bas, en fait, j'achète tous mes accessoires là-bas. Puisque je trouve toujours des trucs que je trouve pas en magasin. Et pour des prix, en fait, abordables. Pour les chaussures, j'ai remarqué que le style, c'est assez les derbies ou je sais plus comment ça s'appelle, les mocassins, tout ça. De base, bah, du coup, je voulais m'en acheter, mais je me dis que comme il va faire froid et il va pleuvoir, je pense pas que ce soit pertinent d'acheter des chaussures ouvertes. J'ai des buffalo, je sais que là, vous allez dire ça va. En fait, ce que je veux trop faire, c'est j'aimerais beaucoup faire des looks avec des buffalo et des guêtres. Et comme j'en ai déjà, du coup ça tombe très bien, bah du coup j'ai pas besoin d'en racheter. J'ai acheté le Coco Mademoiselle récemment pour mon anniversaire. Comme on m'a offert de l'argent pour mon anniversaire, du coup je me suis dit je vais l'acheter. Et ils sont très 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 bons. Ma mère l'avait. Je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je vais vous mettre ici. D'ailleurs, je poste énormément sur Instagram. C'est mon nouvel objectif.